Monica, Lampedusa, Kader. Lampedusa. Comme tout le monde, j'étais déchiré à chaque fois que sur la table de mon salon arrivaient effectivement des cadavres, de poissons, d'êtres humains, etc. Et je me suis dit à un moment donné, comment poser mon écho, si vous voulez, dans l'escarcelle. Et donc ça m'a donné l'idée de d'écrire ce texte pour un peu exorciser ma propre douleur, quoi. Pour moi, c'est une occasion aussi de faire circuler un peu de cœur et de ramener aussi devant vos cœurs des débris de douleur du monde qui nous entoure, quoi. Muta d'accento et di pensier. Putain, Socrate le ouf! Il a fait fuir les gardes-côtes! Putain! Je reste aussi sur la formule de Nietzsche qui disait qu'il faut danser sur la douleur, quoi. Et donc c'est vrai que c'est la seule arme qui reste plausible et qui pose une interlocution entre tous les hommes, quoi. Parce que l'humour est universel, alors que le discours et les thèses, si vous voulez, sont éphémères. Et Flipper, il nous fait signe de le suivre, eh ben... Suivre Flipper? Il dit quoi, le GPS? Il dit rien, le GPS, il capte mon cul dans cet enfer. Les ondes électromagnétiques, l'orage. Merde, de l'espagnol! Alors, on fait quoi? Eh ben, pas trop le choix, il faut suivre Flipper. En général, les dauphins, ouais, Flipper. Alors, suivons Flipper. Mais vous êtes fous tous, ma parole! Tous des cinglés! Vous allez suivre un poisson! Non, mais c'est pour ça que j'ai casqué, hein? Pour suivre un poisson, c'est pour ça! Je trouve que ce texte, il crève l'écran, il crève les oreilles, il crève les yeux. Il rappelle qui sont les gens qui sont en train de mourir dans cette Méditerranée dont tout le monde glosse toute la journée. Et je trouve que ce texte est absolument magnifique parce qu'il a une langue que Aziz Chouaki a inventée. C'est un mélange d'arabe, d'anglais, de français, d'algérien courant, de gros mots. C'est une nouvelle langue. Ça va passer, les gars, tenez bon. Mon sac, putain, il est tombé tout dedans, toute ma vie. Mais s'il le veut et le peut, ce qui seul convient à ce qu'il est, d'où vient donc le mal? Et pourquoi Dieu ne le supprime-t-il pas? Allah, Akbar, ta gueule! Ça parle beaucoup plus que les articles de la presse, ça parle beaucoup plus que tous les appels qu'on peut faire politiquement en disant il faut faire quelque chose. La littérature aujourd'hui répond à ce que les citoyens ont besoin d'entendre sur la réalité tragique qu'ils vivent. Putain! Encore? C'est quoi ça? Non, bordel, encore! Mais c'est une arnaque ton deal, Rachid! Tu as pris le blé, hein? T'as acheté une merde de moteur chinois. Résultat, on va tous crever au milieu de la mer. Ta gueule, l'handicapé, ou cette fois je t'en fous une bonne, compris? Retrouvez ces lectures enregistrées au Festival d'Avignon sur RFI chaque dimanche à 10h10 et 20h10 temps universel, du 26 juillet au 30 août, et en streaming sur RFI.fr.